abonner et mets un like. Et c'est tout le monde, c'est Kissa, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Stellaris pour une de la première série de premier épisode. Comme je vous ai dit, pour les vidéos Minecraft, il y aura moins d'en avoir qu'avant. Beaucoup, beaucoup moins parce que bah, Minecraft, oui, j'aime bien Minecraft, mais ça fait quand même 4 ans que je fais les vidéos que je joue sur Minecraft. Hein, genre, c'est beaucoup de fun découverte. Comme Stellaris, ça fait que j'ai joué deux parties, deux, je sais pas combien de fois, bah, une non, une deuxième non. Mais c'est ça, on va jouer avec le mode Halo. Le mode Halo, si vous connaissez le jeu Halo. C'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, mais c'est presque impossible que je vais faire des vidéos sur ma chaîne parce que tu sais. C'est juste du PVP. C'est pas PVP. Puis une méchante grande histoire que j'ai lu beaucoup de ce jeu. Je peux t'en dire beaucoup comme sur les élites, surtout sur les Sangai. Enfin, une nouvelle partie. On va un jour faire des parties en multijoueur avec Cyan Astley, Big Pixel aussi, si vous voulez. Ça, c'est assuré. Hein, c'est assuré. Mais pour l'instant, on va faire une nouvelle partie. Là, aussi, il y a toutes les races. Ça c'est les races on va dire basiques du jeu, ceux que tu peux avoir depuis le début. Hop là, ici ça c'est les races qui ne sont pas basiques. Ça c'est les foreigners. Ça ne sont pas des foreigners, mais c'est des foreigners. C'est avec un mode, un seul mode. T'as les covenants. Ben les covenants, je prends les covenants avec je vois un peu trop ça en anglais, mais c'est ça. Je sais que c'est les covenants. Ça c'est les brutes. Je pense que c'est les élites surtout. Ça c'est vraiment les. Ça c'est. Ah oui, je redis ça. Ça c'est l'Alliance Covenant, je pense bien. L'Alliance Covenant c'est complet. Ça c'est les prophètes. Ça c'est les farmers. C'est l'Alliance Covenant. Ça c'est les brutes. Ça c'est les. J'ai envie de dire les rapaces. Si vous voulez mieux, les Yirgark. Kirgark. Ça c'est les. Ça c'est deux clans Covenant, mais moi je vais prendre Sangelios parce que c'est la planète Sangelios, c'est la planète natale. Et celle-là je ne connais pas, mais les deux ont les mêmes traits toutes complets. Alors je ne sais pas trop alors Puis aussi ils m'ont aussi modifié les vaisseaux, ça c'est vraiment fun. Les grognards, les petits grognards tout mignons, démocratiques. T'as les grognards. Bon, aujourd'hui, un petit problème. Comme le téléphone, vous connaissez la traduction téléphone, elle est toujours là. Ici, je regardais, si c'est beaucoup moins bon. Comme ça, ici, culture, c'est moins 20. C'est de l'armée, bon. C'est peut-être pas la meilleure, là, mais quand même. Bon, mais je m'en fous complètement, c'est pas ça. T'as la UNST, les humains. T'as aussi un petit bonus, on va juste regarder comme ça le bonus. Ici, on a notre bonus, c'est ceci. Qui est une expérience de personnalité moins 15, mais tout ça, c'est vraiment militaire. C'est juste militaire. Dans la fois que je me suis fait, j'avais passé une grosse armée, je me suis fait ça ici aussi, le vaisseau est complètement changé. Ça, je pense, c'est les. On va dire les. Ceux qui résistent contre aux humains. C'est les. J'ai pas trop compris l'histoire, mais ceux qui résistent aux humains, je pense. Ou c'est deux clans des humains, j'ai pas trop compris. Mais c'est dictatorial, c'est pas pareil du tout. Alors, je me suis dit. Ouais, je suis d'accord, c'est pas pareil. Avec le Sangili, la planète natale des Covenants, si je me trompe pas, on va la sélectionner. On va aller avec 600, 800, non. On va dire. J'aime bien avoir des petites colonies avec. Avec une. Des petits empires avec 20. 20 IA. 20 empires. Et avant ça, on va en mettre 4. Non, maximal d'empire déchu. Là, je sais pas trop quoi. Puis on va y aller comme ça. Je vais vous dire avec, mais non. On va y aller comme ça. On va jouer. J'ai joué deux parties, je vous rappelle. La commencement. Vas-y. Je vais laisser le chargeur parce que je trouve bien les. On peut dire les paysages. Ça va parler. Mais c'est en anglais, on s'en fout fucking tout. Il va faire des choses en anglais. Enfin, je suis pas bon en anglais, ça va être difficile. Si espèce. Dirigeant, ça je connais même pas ce dirigeant. Ah oui, je sais c'est qui, c'est le dirigeant, je pense, de l'Empire Covenant complète. C'est des choses que. Non. Non, non. Il y a des choses que je connaissais pas, que je connais pas trop. Trait ici et ici, référence continentale, parfait. Commencez. Ok. Allo, texte. C'est quoi la différence?
Conseil quelques conseils, c'est bon savoir. Parce que je jouais chez ma mère et non ici. Chez ma mère, j'ai une ordi de 4 RAM. Ici, j'ai une ordi de 15 RAM. Alors, je suis bien correct. Alors, le texte. Ok. C'est quoi Foreigner. Covenant. Ok. Il y a une ici. Covenant. Foreigner. Et l'autre, c'est rien. On parle des Covenants. Oh. Ok. J'ai des. J'ai des recherches en tant que telle. Parfait. On va plus nous montrer, je sais déjà tout ça. Je vais essayer directement en science, en physique, en prendre. Ça, c'est quoi ça? C'est l'énergie. Je connais pas beaucoup produit 4. D'accord. Palo solar, ça c'est sûr. C'est une recherche. Un casse naval, j'aime bien. Et un missile, non. 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 Pas trop, c'est que je m'en fous. Je vais prendre les missiles. Tiens, tenez, 2-10. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Gain mensuel, pourquoi? Pourquoi déjà? Tu calmes, j'ai rien fait encore. Non, ah, parce que j'ai une trop grosse armée. C'est les scientifiques, ok. Ça, c'est les ingénieurs, parfait. Aucun ordre, parfait. Aux scientifiques, tu vas à reconnaissance de ce système-ci. Peux le montrer? Reconnaissance de ce système et toi, reconnaissance de rien fucking rien parce que tu dois attendre. Alors, on va mettre ça sur start. Regardez. Oh. Aïe aïe. C'est la station. Ouais. Tiens. C'est quoi la chance? Attends, je mets ça comme ça. Je vais montrer. Attends qu'il fasse reconnaissance. Excellent, après avoir réussi à l'engage, tout ça établi, communication avec la communauté. Excellent! Oh non! Leur compte est assuré à une bénéficiaire. Respecte notre autorité, sinon nos armées sacrées ne tremblent pas devant Sun Yilin. Si voilà, ok, je vous laisse lire là, mais quand même. La nouvelle de notre première concentration avec une forme de vie alien intelligente a suscité des sentiments mêlés au sein de la population. Elle confirme que nous supposions depuis fort longtemps que nous sommes pas seuls dans la galaxie depuis qu'on a créé des vaisseaux. Chaque nouvelle espèce alien que nous rencontrons construit tout autant. Bon, ça veut dire qu'on a trouvé une nouvelle espèce, simplement. D'accord, blablabla. D'accord. Parfait. C'est quoi l'essence entre une corvette? Une corvette. Soit elle était généralement automatiquement mise à jour. Ok, c'est quoi? La vitesse? Après, non. Dégâts que 5. Dégâts 3. Auto. C'est quoi de chance? Ah, c'est dans les plus petits vaisseaux plus faciles. D'accord. Pour l'instant, pas besoin de grand chose. Sans aiser. Puisque je suis en trouble, on peut dire, pour des ressources. Alors, ça va, c'est mal. On a-tu découvert une place date? Parfait. Excusez-moi, j'ai un petit bruit énervant. Après, il faut que j'aille sur la planète, sur la salle Angolios. Puis, oui, de plus monter, merci beaucoup. Puis construire. Puis le monter, merci beaucoup. Ah! Ok, je comprends pourquoi que j'ai des petits problèmes pas financiers. Donc ça, je suis très bien. C'est-à-dire que là, faudrait que je produise un ordinateur actuel. Une centrale électrique. T'as pas une centrale temple. Ah, t'as des temples. C'est le fun. Bon, fun centrale. Je vais en faire une nourriture. D'accord. Déblayer. Déblayé, parfait. Passe pas telle la. Non, c'était pas la meilleure idée. Non, c'était peut-être pas la meilleure idée. Non, c'était pas la meilleure idée du tout. M'en fous. Ça coûte. En 3? C'est quoi ça? Je vais voir ça. Conception de vaisseau. Qu'est-ce qui coûte aussi cher?
Ah bah c'est sûr que... Oh! Ok. Je connais pas ça, je savais pas c'est quoi ces choses-là. Je pense qu'on est... Je pense qu'on est sous construction, sous colonial. Ok. Ça coûte vraiment cher, hein, je pense à... Ok, ouais. Pourquoi est-ce que j'ai fait... Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais qu'est-ce qui coûte aussi cher? Ok, entre c'est la flotte taxe et l'indépendance. Indépendance. Indépendance. Tout ça. Je peux vous montrer. Soumission, d'accord. Soumission. Attention, on se repère en guerre. D'accord, en tout cas, ça va mal. Rapidement, ça va mal en jeu. C'est pas un petit. Je vois quelque chose rapidement. En tout cas, c'est vraiment la pire partie pour l'instant. Ça commence très mal. Là, on va être obligé, je pense qu'on... Je sais pas qu'est-ce que ça fait quand on perd de l'argent. En tout cas, j'ai jamais vraiment vu. Accélérer. Ok. Déclarer la guerre à Gunny. Arrêtez vraiment, c'est vraiment comme dans l'eau. Les guerres commencent, on développe exemple les vaisseaux, personne se fait directement attaquer. Ok, va. Je me sens. Notre suzeraineté, la conne de déclarer la guerre à. C'est une guerre à notre suzerain. Excellent. Que devons-nous répondre? Trente est sûrement une bénédiction. Ok, je suis furieux là. Ah, c'est un suzerain. Ok, je suis en... je suis en plus rien. Parfait, on se dit qu'on se fait déclarer la guerre. Ok, c'est-à-dire si je fais ça comme ça, je sais même pas. Oui, je sais. Ouais, ça c'est l'Empire Covenant. C'est l'Empire Grognard. Ça c'est nous. Ok. Elle a 6 vaisseaux, c'est pour ça qu'elle coûte aussi cher. Ah, ok, d'accord. On va juste. Ok, ouais, ok, ça va être une partie hardcore, je prédis. Pas des ressources, mais ça, c'est. Je peux rien faire. Je peux rien faire. On dire. Je sais pas que rien sur ma galaxie, j'ai pas des ressources pour rien du tout. Je vais voir. Ok, excellent, parfait. Excellent, venez déclarer la guerre tout de suite, si je comprends bien. C'est ça? Ah, non, pas. D'accord, excellent, d'accord. Dans son gars, c'est ça, parfait. Ok, je crois plus rien. C'est quoi ce pénurie critique? Minéraux 50%, vitesse de recherche moins 50%. Pourquoi? Cause des guerres, je peux rien faire moi. Deux qui essayent la guerre contre moi. Ok. Ah non, si je comprends. Je suis. Ah, ok, d'accord. Si je comprends bien. Si vous connaissez ça, ben dites-le moi si je comprends bien. Je suis en guerre contre les deux races dans en l'eau. Je suis en guerre contre eux. Et contre lui, les grognards et les rapaces. Si je comprends bien. Je suis en guerre contre les grognards et les rapaces. Dans en l'eau, nous sommes en guerre. Je suis le premier allié des Covenants. Si je comprends bien. En tout cas, ça va assez mal dans ma galaxie, sur ma planète. Spatioport. On va directement construire. Je ne peux rien construire. Alors, je vais strictement rien construire. Surface. Ouais, je. C'est ça.
Ça vaut assez mal. Assez mal, ça, je peux te dire. Je peux pas l'améliorer. D'accord. Construire une zone centrale. Putain. J'avais vu déjà, c'est déjà compliqué comme ça. Je pense qu'on va être, obligé de détruire notre flotte, ça continue. Ok, sans suggestion. Putain, prendre sa place. T'aimes juste l'analyse de la planète, toi là? Mais c'est sûr que quand t'es pas activé, c'est pas très facile, hein. Je tire après mon. Attention qu'elle a la connexion. Oui, j'ai vu que c'est assez difficile. Puis non, merci. Ils allaient mal, ça, je peux le dire. Ok, il y a des ressources. D'accord, attendre un peu, c'est pas. Pour l'instant, c'est pas très important. Ennemi ou allié, ça? Ennemi ou allié? Non, intéressant, parfait. X. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle est rapide. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Viens sur ma planète. Ok, c'est un vaisseau scientifique. Ok. Ok. Et on flotte. On n'a pas aucune ressource. C'est vrai que peut-être que si on est par là, non, on est soumis à une autre planète, c'est sûr que c'est pas facile de nous les ressources. Allez. T'as pas moins de ressources. C'est sûr que c'est pas super facile quand t'as zéro ressources. Parfait, recherche. On va directement mettre ça. C'est que c'est une recherche. Peut-être en. T'as une personne capteur. Non. Non. Bon, ça, les boucliers énergétiques. Parce qu'on n'a pas de boucliers énergétiques sur nos vaisseaux. Ce qui était assez. Pas facile. Oh, c'est ça. C'est une flotte qui coûte cher. C'est pas si dangereux qu'on est au négatif, alors c'est pas tout dangereux. En tout cas, je te dis ça va aller mal parce que s'ils trouvent rien, et comme là, ils ne trouvent rien, bah, juste que mes investissements. Some servers complete, j'ai regardé. Oh. Deux de ressources. Peut-il construire une station minière? Non, j'ai plus assez de ressources. Bon, ça, c'est un peu problématique. Alors, est-ce que tu peux chercher? Ah oui! Ça, vraiment là, si vous connaissez pas l'histoire, c'est pas très facile à savoir. Là, je comprends l'histoire parce que je lis tout aujourd'hui. J'ai lu aujourd'hui les polygrayants, mais bon, j'ai lu un peu de tout, alors c'est ça, c'est plus facile quand que. Non, d'accord. Bon. Je reviens avec Tatalyse. De ce système comme ça parfait quand tu connais rien dans l'eau c'est pas du tout facile de savoir de qu'est-ce qui se passe non 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 moi je voudrais bien que t'ailles et Adnel attends connaissance de ce planète qu'on peut coloniser ce serait assez utile c'est quand même une bonne flotte on a aussi une très bonne technologie mais faut les mettre sur nos vaisseaux ça coûte un peu cher. Une recherche d'accord j'en fous un peu oh ça c'est assez utile et ça c'est encore plus utile dans des frontières fois 20 c'est parfait ça je vais prendre l'affaire pour ça intéressant ok qu'est ce que t'as. On va aller sur Sanglio, sur la surface. D'accord, ok. Et. Non, on va essayer.
Replacer. Quoi que ce soit. Ok. Désactiver. Remplacer. Non. J'aimerais bien déplacer. Juste pour l'instant. Où on est obligé de rester sur notre planète natale. Je pense que ça va pas exprès pour qu'on reste sur notre planète natale. Parce qu'on n'a plus de matériaux, on n'a plus rien. Ouais, je pense plus pour qu'on reste. On est obligé de rester sur notre planète natale, si je veux dire. Alors, j'ai oublié d'attendre que tout le problème, on dirait. Mes problèmes arrêtent. Je pense qu'il se fait pas exprès. D'accord. Ok, nous prenons pas dans le vide du passé à Seigneur, n'était pas motivé seulement par la curiosité. C'est-à-dire le conquête du besoin. Conseil journal de bord. L'avenir de l'essence. Ok, je pense que ça veut dire que je. Non, c'est pas plus. C'est. Non, ça a rien changé pour l'instant. Allez, qu'est-ce qui se passe? Oh wow, notre planète pas ouf, je m'en fous un peu. Je suis pas sûr, mais je sais comme ça. Peut-être qu'ils auront tout fait l'Empire complet, mais oui, ce serait malade, c'est oui. Bonjour! Bonjour, on déclare la guerre. Parce que t'as allié déclare la guerre à tout le monde. Suzerain. Sans pire, ça, une technologie de votre seul découvert. Excellent. C'est quoi ça? C'est quoi ça sent? Je connais pas, mais en tout cas. Mais on n'a pas déclaré la guerre. C'est correct. On n'est pas contents. Ils sont pas contents avec nous. Ils sont contents. Ils sont encore plus contents. Parce qu'eux sont nés sur leur suzerain. Les frontières. Tu m'y suis? Ah, log. Ok, d'accord. Ils sont assez agressifs. En vrai, de l'influence, non. Pas besoin d'un accord commercial. C'est sans. Enfin, je sais pas si ça a changé gros quoi. J'ai terminé d'aligner un système qui n'a fucking rien encore. J'ai arrêté de garder mes ressources sans user. Attends, on fait la guerre à tout le monde. Parce que tout le monde va être nous, puis après ça, on va tout détruire. C'est prophète. Simplement ça qui va se passer. Pas absolument. Mais je prédis que c'est ça qui va se passer. C'est un peu ça qui s'est passé dans l'eau. Halo, pas le jeu Halo, parce que dans le jeu Halo, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. C'est fort. Ici. Ici, parfait. Tiens. D'accord, je sais pas si on va gagner, mais je te dis que ça va bien aller. En tout cas, sur une planète, tout va bien. Ouais. Rien va bien. Mais on souhaite que ça aille bien. Ah, c'est la seule chose que je veux dire. Purée, purée. J'ai pas beaucoup d'énergie. Ok, parfait. On va inquiéter. Je sais jamais. Ça peut faire. Oui. Ça trop d'énergie, ça va être assez efficace. Ok. What? Une seconde à la fois. Regardez toutes les questions. Ok. Les alliés convenants ont fait la paix avec les grands, c'était clair, c'est formulé. Ça veut dire que je pense qu'ils sont suzerains avec. Avec une dépendance. C'est ça. Devenir, c'est. Nous avons gagné cette guerre avec l'exigence suivante. Ça veut dire que maintenant, ils suzeraineté avec. Ils suzeraient. On prend tout de suite. On prend l'expansionniste, mais j'aime bien, mais on prend séparatiste. 1500 ou toi, 15 de tir. Ça veut dire que je tire beaucoup plus vite. Mais non, parce que j'ai besoin de ressources pour l'instant. On a pu le montrer. J'ai besoin de ressources. Non, découverte, non. Diplomatie, non. T'as pas niveau ressources, j'aime bien. Est-ce que les ressources m'aident bien? Si je peux dire ça comme ça. Ok, parfait. C'est un truc que gagner. C'est ok, parfait. Victoire, c'est parfait.
Hop, hop, et hop. C'est-à-dire que si je regarde ici, si je suis bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est suzerain, lui aussi. Il s'était conquis par cette personne-ci. Mais pas néolithique. Puissance de la flotte est pas néolithique. En tout cas, on peut dire que ouais, un jour, il faudrait que je me déblade des jeux. C'est-à-dire que je sois plus fort que lui pour le tuer en revanche, mais ça va pas être très facile. C'est pas mal assuré. Ok, ça c'est grand. Parce qu'il faut que ça va être difficile avant de pouvoir aller plus loin, ça je vous le dis. Hein. C'est pas comme c'est impossible, mais ça va être difficile, ça je suis sûr, parce que... C'est tout ce que nous pouvons. De quoi qu'est-ce qu'il se passe, on a recyclé des vaisseaux ou quoi? Ah non, découvert ça, parfait. Parfait, parfait. On va pouvoir utiliser ça comme matériau à la future à la construction de vaisseau. Oh, ok, celle-là. Elle ne doit pas être habitée, c'est ça. C'est une habitation. La chose que moi, mais je sais pas si ça existe. On peut pas faire échanger de nourriture contre des quelconques ressources parce que. Hein. Flotte, pétence, ok, parfait. Taxe, comme 4 de taxe. Excellent. Ah, bonjour les rapaces. Vous déclarez la guerre, vous êtes très content, hein. Tiens. D'accord, parfait. Parfait. Pour l'instant, on a pris la position de eux. C'est de ces guerriers. On va savoir si on planète. Généralement, San Gallios, monde natal. L'armée station port serait assez utile de faire ceci. Et quand on pourrait, on pense que ce serait la bonne chose à faire. Ça. Comment dire, on va faire ça. Parfait, je sais pas trop. J'y connais rien, ça fait deuxième partie que je fais. Hein. Alors, me dites pas en commentaire que je suis nul, c'est normal, c'est oui. Que juste les bruits dans le monde galactique qu'on n'a pas encore conquis. Eux ont une puissance de flotte. Oh, oui. Je sais pas son quelle force d'attaque. 0. Ah, ils peuvent même pas bouger. Attends. Ah, ils sont même pas capables de tirer, et tu m'y suis. Ok, ouais, c'est pas un peu problématique. Commandant de flotte, puissance d'une terre. Pourquoi? Hein? Pourquoi êtes-vous aussi nul? Parce que vous avez plus de. T'as plus de force, je sais pas. Mais si vous êtes. Si vous avez une puissance de flotte de 0, y a un petit problème, je pense. Excellent. Parfait. Parfait. La fin, ça a été une map et ça a été très difficile à avoir beaucoup de colonies en dessous. Inquiétez. Ça a été très difficile à avoir beaucoup de. On dirait de colonies en ce mode de jeu là. Surtout en plus avec ça, ce petit problématique d'être suzerain avec une race. Ça a été très difficile, ça je vous le dis tout de suite. Regarde, juste avec quelque chose. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'ai une jambe en pause, alors ne vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu pour cette première vidéo sur Stellaris avec les Covenants. Les Sand Guys, vous aimez mieux sur Halo, un mode avec Halo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un like, vous aimez, mettez un disque si vous n'avez pas aimé. Bye, tout le monde, à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un like, vous aimez, mettez un dislike, vous n'avez pas aimé, bye tout le monde, c'est ça, et prochainement, bye!